Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Rayron contre Feyenoord Rotterdam, un match de la deuxième journée qui s'est terminé par une victoire du Feyenoord Rotterdam, 3 buts à 2, à l'extérieur, alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes. On va décortiquer toutes les stats pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai que euh, le Feyenoord-Rotterdam avait perdu le premier match à domicile, Rerun avait perdu... Au Paris Saint-Germain, et je me dis que bah, c'est une sacrée performance pour le Fayonneur Rotterdam à l'extérieur parce qu'il se relance complètement dans cette compétition. Alors, qui l'eût cru, euh, surtout après le démarrage euh, qu'ils ont pu faire euh, à la première journée où c'est vrai que bah, la, la défaite qu'ils ont connue à domicile contre le brl l'Everkusen, ils ont pris 4-0, ça faisait très très mal. Là, franchement, une sacrée performance. Alors, le match, les buts, les amis, mais bah, écoutez, euh, la 19e minute, pourtant, c'est le Rerun qui a ouvert le score par Lopez il menait 1-0 mais à la 23e minute Herrera a marqué contre son camp et Feyenoord de Rotterdam a égalisé. À la 33e minute, c'est Milambo du Feyenoord qui a marqué, donc Feyenoord menait 2-1 et pourtant Reron a égalisé à la 73e par Van de Beek, mais Feyenoord a marqué un troisième but à la 79e par Christi contre son camp, c'est-à-dire que le Feyenoord a quand même été mené 1-0. Après à mener, a eu euh, Reron qui est revenu au score et ils sont allés marquer un troisième but. À chaque fois avec de l'enjeu, ils ont fait euh, franchement, ils ont marqué à des moments clés, euh, ils ont fait un sacré match. Alors on va voir les statistiques maintenant. En possession de balle et pourtant Reron quasiment 66 de possession de balle à 34, les passes tentées 580 à 303 pour Reron, 514 passes réussies à 242 pour Reron, 88 de passes réussies à 79 pour Reron qui a touché deux fois plus de ballons. Les occasions, 10-5 le double pour Heron, 14-7 pour les tirs pour Heron, 7 tirs cadrés à 2 pour Heron, c'est fou, 5 tirs condrés à 1 pour Heron, aucun poteau, 1 hors-jeu à 0 pour Heron, bref, Heron a ultra dominé le match c'est hallucinant. Le Feyenoord marque trois buts en n'ayant que deux tirs cadrés. Alors ça, euh, c'est quand même assez, euh, assez, terrible. Et surtout, euh, Rayeron a marqué deux buts contre son camp. C'est vraiment, euh, c'est pas de chance, quoi. Parce que dans les stats, on voit Rayeron a, a ultra dominé collectivement dans les occasions, dans les tirs. Ils ont eu le double, mais ils ont perdu 3-2. Alors au niveau des autres, oh là là, 11 corners à 0 pour Eeron, 23 à 8, interception 15 à 4 pour le Fire, les tacles 20-13 pour le Fire Nord, les duels gagnés 45-42 pour Heron. Ils ont gagné plus de duels en touchant deux fois plus de ballons, c'est fou. Les arrêts 4 pour Fire Nord, 1 pour Eeron, euh, les euh, fautes. 15 pour le Feyenoord à 11, et les jaunes 6 à 3, 6 pour Heron, 3 pour Rotterdam. C'est vraiment euh, ben pas de chance pour Heron, qui a été largement plus forte que le, euh, le Feyenoord de Rotterdam et qui se retrouve après avoir perdu 1-0 contre le PSG grâce à, à cause d'un but contre leur camp à la 90e, il perd 3-2 contre le Feyenoord en ultra dominant le match et en se mettant à nouveau deux buts contre leur camp. Donc c'est l'équipe qui a marqué déjà trois buts contre son camp en deux journées et qui a deux défaites. C'est quand même pas de chance. C'est assez hallucinant. Alors, au niveau euh, des prochaines rencontres, Aaron jouera le 22 octobre à 21h à domicile contre le Slovan Bratislava. C'est l'une des petites équipes. Et là, ils pourront se rattraper. Euh, ils De euh, toute façon, ils vont avoir, à mon avis, ils vont, ils vont être à 200%. Ils vont avoir la, la haine. Hein, franchement, ils vont avoir la niaque. Et je pense qu'ils gagneront euh, ce match-là. Le Feyenoord de Rotterdam jouera de son côté à nouveau à l'extérieur le 23 octobre à 21h. Et ce sera à Benfica. Ce sera un match très difficile pour eux. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir de la chance deux fois de suite, comme ils en ont eu de la chance là. À Benfica, en plus, c'est un très. C'est des jeux collectifs à, à courte passe. C'est des très bons joueurs avec certains qui ont des grosses frappes de balles. Euh, je ne suis pas sûr que ça passe deux fois. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, voilà, c'était la présentation du résultat du match en statistique du match Rayon feyenoord Rotterdam qui s'est terminé par la victoire du feyenoord Rotterdam. 3 buts à 2 à Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo